un classique que je vous recommande très vivement. Il est tout petit, on le trouve gratuitement sur Internet. Et ce classique, il a été écrit par Alexandre Toussaint de Limojon de Saint-Didier. Hop là. Et cet ouvrage s'appelle le Triomphe Hermétique. Ça vaut la peine, mais si on ne fait que lire, on perd une grande partie du propos, parce qu'il y a une gravure dedans. Attention, elle n'est pas toujours dans les bouquins qu'on vous mettra sur Google Livres ou encore sur Gallica. Il faut la rechercher. Toutes les illustrations alchimiques sont parlantes. Un petit exemple. On ouvre le Mutus Liber, qui veut dire livre muet en latin, à la page 4, à l'illustration 4. Et on voit un champ, on voit deux petits villages avec des clochers, on voit le soleil, la lune, dans le ciel, des nuages, etc. Et des personnes qui ont installé des draps, apparemment, sur des piquets, 4 piquets, un drap étendu, etc. Alors, on se dit, ça y est, ça c'est la méthode qui est employée, on met des draps et peut-être la rosée le matin va venir mouiller ses draps, on va tordre tout ça. S'il n'y avait que cela, ce serait déjà pas mal. Mais non, parce que la lecture n'est pas seulement comme cela. On ne peut pas dire des draps sur un pré ou ceci, il faut lire par tous les moyens possibles, notamment les toiles sur un pré. Et un Prévert, comme dirait Jacques Prévert. Donc, il faut bien être attentif parce que lorsque vous lisez quelque chose, il vous faut prendre le temps de l'exprimer d'une autre manière.